Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Yoann Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série, Histoire en série où aujourd'hui on part vers l'époque moderne et vers la Grande-Bretagne à l'époque moderne avec un des spécialistes en tout cas de, en France de l'époque moderne, c'est Pierre-Yves Beaurepaire. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas. Alors Pierre-Yves, vous étiez venu nous présenter la série sur le, les, la jeunesse de Voltaire. On avait fait une émission, un crossover d'ailleurs, avec notre ami André Loez de Parole d'Histoire. Hein. C'était l'émission numéro 92 pour nous à Histoire en série en tout cas. Et aujourd'hui, vous, vous, vous avez la gentillesse de venir, de revenir pour nous présenter une autre série qui se passe aussi au 18e siècle en tout cas, c'est la série Paul d'Arc. Alors avant de d'entamer de, de, cette émission sur la série, je vais vous... Présenter ou vous représenter pour celles et ceux qui nous suivraient depuis longtemps. Alors, Pierre-Yves, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Côte d'Azur et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vos recherches portent notamment sur la sociabilité, les réseaux de correspondance et les circulations dans l'Europe et le monde des Lumières. Vous êtes le cofondateur du groupe re donc Réseau et Histoire, et membre du bureau du GDR-CNRS, analyse des réseaux en sciences humaines et sociales. Donc, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. Sur l'époque des Lumières en particulier, dont notamment, je vais en citer quelques-uns, hein, La France des Lumières, donc dans la collection Histoire de France, euh, dirigée par Joël Cornette chez Belin, vous avez aussi publié Les Lumières et le Monde, Voyager, Explorer, Collectionner euh, chez Belin aussi, ainsi que, et je, je renvoie les, les auditeurs et auditrices vers cet ouvrage parce qu'il fait une excellente synthèse de, de, de l'époque moderne, en tout cas c'est un atlas qui permet de bien comprendre cette époque-là, c'est l'atlas de l'Europe moderne, de la Renaissance aux Lumières qui est paru chez Autrement, dont vous avez, vous connaissez très bien cette époque-là, et vous allez nous y amener vers ces Lumières, en tout cas vers ce XVIIIe siècle, ces Lumières peut-être finissantes en Angleterre à cette fin de 18e siècle avec Paul Darc. Alors peut-être pour commencer, Pierre-Yves, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter la série et un petit pitch rapide pour resituer à la fois peut-être le lieu, on y reviendra dans l'émission, et les personnages. Tout à fait, Nicolas. Et donc, cette euh, série qui est une série euh, à, à succès euh, de la BBC qu'on peut euh, voir en France euh, sur Netflix en cinq euh, saisons euh, qui ont été euh, diffusées initialement de 2015 à 2019 et donc. Euh, euh, Auquel il est encore facile d'avoir accès aujourd'hui, c'est une série à succès qui nous mène effectivement, comme vous venez de le dire, à la fois du XVIIIe siècle finissant aux révolutions. Et dans la série 5, on parle bien du, non, dans la saison 5 de la série, on parle bien du changement de siècle. Hein, donc c'est, on est vraiment dans cette toute fin du euh, XVIIIe siècle, entre l'après-guerre d'indépendance américaine, euh, donc le début des années 1780, euh, jusqu'à euh, la Révolution française, mais aussi à tous les sous euh, que cette période euh, complexe crée euh, en Cornouailles. C'est ça qui est. Euh, une des originalités de cette série, c'est une série qui, comme son nom l'indique, est autour euh, tourne autour du personnage euh, central, hein, euh, Ross Poldark, et euh, de sa famille, de la famille qu'il construit, de la famille euh, qui se déchire. Euh, le personnage central est joué par un acteur irlandais. C'est assez euh, intéressant à noter dans une perspective britannique, Aidan Turner, et euh, donc c'est une, euh, une série euh, qui l'amène euh, d'un difficile retour de guerre jusqu'à la Chambre euh, des communes à travers de nombreuses vicissitudes, de conflits intrafamiliaux, mais aussi euh, avec les grands méchants de la série que sont les Warlegans, oncles et neveux. Peut-être euh, resituer cette production sérielle. On va évoquer aujourd'hui la série, vous l'avez dit, hein, diffusée sur Netflix, mais c'est déjà Paul Dark, c'est quelque chose qui, qui est connu au Royaume-Uni, puisque au départ, il s'agit d'un cycle romanesque et qui a fait l'objet, déjà pour la BBC dans les années 70, d'une première adaptation. Tout à fait, je pense que ça, c'est absolument euh, essentiel pour comprendre euh, à la fois la, la, la je, jeunesse de ce qui pourrait. Euh, passé pour un remake, hein, bien sûr, mais aussi pour ce que représente euh, dans euh, l'imaginaire des, alors on ne parlait pas encore de séries, mais des feuilletons de la BBC des années 70, qui s'en étaient fait une, une spécialité, ce que représente euh, effectivement au départ ce roman, c'est même un, un cycle romanesque très euh, euh, très ambitieux, au long cours, euh, de Winston Graham, hein, qui a quasiment traversé le siècle, puisqu'il est né en 1908 et il est mort en, en 2003. Et euh, il a eu énormément, énormément de lecteurs dans tout le monde anglophone. Et euh, ça, c'est le premier succès. Et le deuxième succès, c'est le feuilleton de la BBC des années 70, à une époque où, euh, comme je viens de le dire, euh, la BBC s'en est fait une spécialité. On peut penser aussi, euh, euh, c'est exactement la même époque, euh, aux, premiers, aux premières adaptations des romans de John Le Carré hein, euh, avec la taupe. C'est exactement euh, cette période-là. Et euh, euh, ça explique qu'il y avait une sorte de rampe de lancement, de, mémorielle, hein, dans la mémoire des feuilletons. Euh, de la BBC pour cette adaptation, même si les euh, scénaristes ont toujours dit que euh, euh, ils avaient essayé, euh, ben, forcément, hein, d'imprimer leur, leur propre marque, leur propre euh, patte, aussi bien euh, par rapport euh, à ses premiers feuilletons que euh, au roman, hein, puisque c'est un cycle très très euh, ample et sur la longue durée qu'a écrit Graham. Peut-être commencer, Pierre-Yves, par le contexte, parce que c'est très intéressant, vous l'avez dit, on est en cette fin du XVIIIe siècle, hein, on va balayer ces, ces 20 années tumultueuses dans l'histoire de France, bien sûr, mais pas que dans l'histoire de France, on peut dire dans l'histoire du monde. Un contexte qui commence d'ailleurs, et on le voit dès le début de la série, euh, par la guerre d'indépendance américaine. Alors, on ne voit pas directement la guerre, mais en tout cas, on voit Ross qui revient habillé en, en tunique rouge, en, en uniforme, et il a fait la guerre là-bas, et donc ensuite, petit à petit, on va avancer l'avez dit, hein, jusqu'à arriver à la période révolutionnaire en france qu'on va vivre de l'extérieur et jusqu'au tournant du 19e siècle. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est intéressant euh, du point de vue britannique parce qu'on connaît des euh, on, on les images euh, comme ça de la guerre d'indépendance américaine, mais soit dans des créations françaises, soit dans des créations... Euh, euh, américaine, États-Uniennes, et là c'est intéressant d'avoir le, le regard euh, britannique parce que même si effectivement on voit pas les combats de, de, de la guerre d'indépendance, il a souvent un certain nombre de flashs d'images euh, qui renvoient à cette période-là, qui bien évidemment se, se termine par une défaite pour les Britanniques, mais qui surtout a marqué le, euh, le, le personnage et aussi créé des amitiés fortes. Euh, avec euh, aussi bien euh, euh, le colonel Ned qu'avec euh, euh, d'autres jeunes officiers, puisque lui euh, termine la guerre comme capitaine, mais au départ, il est enseigne et c'est vraiment au feu euh, qu'il a été promu. Et c'est une façon de mettre en avant le charisme aussi du, du personnage euh, qui a combattu loyalement pendant la guerre, mais qui aussi se pose un, un certain nombre de de questions, aussi bien sur l'aspect social et politique. Et même si ce n'est pas très développé dans la série, c'est aussi une façon de montrer que la guerre d'indépendance américaine, ce n'est pas qu'une guerre, hein, on le sait bien pour les États-Unis ou la France, il y a le côté révolutionnaire, mais que ça marque aussi les îles britanniques. Ça interroge aussi sur la liberté, sur le consentement à l'impôt, sur le fa la façon d'être représenté aux, aux, aux communes. Et ça, je, je trouve que c'est assez bien, on voit bien dans la... Le côté tourmenté du personnage, ces éléments apparaître, et ça me paraît assez bien vu. Alors, première question, peut-être située géographiquement l'intrigue. On voit de superbes paysages. Hein, les, la série se passe en Cornouailles, euh, peut-être une région qui, qui est peu connue, en tout cas peu montrée hein, dans les films ou, ou les séries. Euh, Paul D'Arc, vraiment, il y a une mise en avant de ce territoire-là. Alors, pourquoi la Cornouaille, Pierre-Yves alors, ça, je trouve que c'est effectivement la question est très intéressante et, et, et le choix euh, bon, du, du romancier hein, au départ et de la série est euh, euh, assez bien vu parce qu'au au départ, au-delà de côté, du côté esthétique, on voit souvent une sorte de véritable tableau. Hein, des, des scènes, ce sont des, des tableaux de, de, de maîtres, aussi bien du 18e, mais parfois même de périodes plus anciennes. Il y a vraiment une mise en, a, en, en avant du, du territoire. C'est un formidable même plaidoyer pour faire du tourisme en, en en Cornouailles, hein, mais parce que c'est une région à très forte identité, donc du sud-ouest de l'Angleterre, et qui a été vraiment dont les paysages ont été marqués euh, par cette époque des mines. Euh, donc, euh, ici à la fin du euh, 18e siècle, principalement avec les mines de cuivre, mais c'est vraiment une région qui a été profondément transformée au point que euh, les paysages miniers, c'est pas euh, la Cornouaille, hein, c'est les paysages miniers euh, des Cornouailles et de l'ouest du de Devon sont devenus euh, patrimoine mondial de l'UNESCO euh, et même avait été inauguré euh, ce point de vue-là en grande pompe par le, le prince de Galles en, en, en 2007 et donc il y a vraiment une, une terre euh, ancienne avec une euh, avec une forte euh, identité bouleversée par euh, l'exploitation minière euh, au XVIIIe siècle elle est beaucoup plus ancienne que ça hein, en Cornouailles, mais vraiment il y a une transformation là avec l'essor euh, des mines de cuivre et c'est vraiment central, c'est une sorte de trame de fond de la série, notamment pour les trois premières saisons. Alors, c'est vrai que ça fait partie des premiers intérêts. Je parle en tant qu'historien, mais cette série, qui est une série historique, représente, on va le voir, beaucoup d'aspects de la vie en Angleterre, dans cette région de l'Angleterre en particulier. On parlera après au niveau social, au niveau culturel, voire politique même. Mais pour l'instant, restons, Pierre-Yves, si vous le voulez bien, au niveau économique, et continuer à évoquer ensemble cette idée, ce qu'on voit, cette peut-être proto-industrialisation, en tout cas, qui apparaît en Angleterre. On voit, cette idée de paysans qui commencent à aller travailler dans l'activité minière et en même temps c'est très intéressant parce que on perçoit les premières machines je pense notamment à une invention bien sûr de cette angleterre du xviiie siècle on peut voir la machine de newcomen notamment qui est ici utilisée oui, tout à fait. Euh, on est vraiment à une, à une période charnière, et euh, y compris on, on, on le voit dans, dans les paysages, mais aussi dans les, euh, dans les activités euh, euh, économiques dont vous venez de parler, parce que finalement on a un monde rural, les campagnes, on a des falaises et la mer, et c'est vraiment un, 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 un triptyque permanent euh, qui fait que finalement euh, on, on y a toujours un balancement entre l'activité rurale quand ces affaires euh, les affaires de Ross euh, et, et son épouse seront meilleures. On va avoir euh, une sorte de retour aussi euh, à la terre et à l'exploitation. Mais euh, au départ, ce qui fait, euh, ce qui façonne euh, l'identité de, de, de la Cornouaille euh, au XVIIIe siècle, euh, c'est vraiment euh, l'extraction minière. On est passé des mines d'étain aux mines d'argent, aux, aux mines de cuivre. On a de plus en plus. Euh, besoin de ce cuivre-là. On voit bien, euh, même à un moment donné, euh, euh, il, il faut à la fois en produire, mais il faut aussi en acheter pour euh, alimenter euh, l'effondrie et c'est une il euh, y a vraiment une tension sur ce euh, sur ce, mar ce marché là et euh, parfois on est obligé aussi euh, parce que les conditions de vie sont très dures et ne sont pas cachées par, le, euh, par la série il n'y a pas du tout de forme d'idéalisation de ce point de vue là, on est obligé euh, aussi euh, parce qu'on est dans une zone littorale et ça c'est assez intéressant euh, également à, à voir, euh, de se livrer à de la contrebande, y compris avec les français, toute la question des smugglers, hein, de ces contrebandiers de cette époque-là. Et on voit euh, ce triptyque d'activité entre des exploitations... Euh agricole vraiment euh, euh, étroite, difficile, à, euh, euh, donc à mettre en, en valeur, avec des cours des grains euh, qui sont très spéculatifs euh, et qui rendent la, la vie difficile même pour les ruraux à cette époque-là. ça On le voit très bien avec des formes de, qu'on appellerait nous en France des émotions populaires hein, euh, dans euh, dans la série et en même temps le fait que les grands propriétaires qui investissent dans les mines cherchent à éliminer les plus petites exploitations. Hein, euh, celle de Ross issue de son père euh, est une petite exploitation il y a toujours le, la recherche bon, de, de, de de la veine hein, du, euh, du filon de cuivre mais euh, il y a surtout euh, des prix qui rendent l'exploitation difficile parce que comme vous venez de euh, de le dire eh bien il faut euh, il faut commencer à mécaniser il faut euh, aussi utiliser les pompes d'extraction euh, pour sortir l'eau des galeries qui sinon sont inondées euh, et ça on voit aussi bien à la fois la mécanisation effectivement que la machine du new Newcomen on voit aussi euh, euh, la question des accidents euh, euh, miniers le, le rôle du médecin euh, est assez euh, central et pas simplement pour l'intrigue amoureuse est assez central euh, dans euh, euh, la série Dwight et euh, euh, on, on a vraiment une transformation qui, euh, qui se fait euh, progressivement hein, et qui vient aussi souvent euh, euh, broyer euh, euh, ses habitants parce que bien évidemment quand on ferme une mine on les met au... Au, on les met au chômage et c'est très difficile pour Paul Darc de trouver du travail pour tous, même s'il est sensible au-delà de du côté euh, qu'on représente assez euh, philanthrope du, du personnage, il se rend compte aussi que trouver du travail aux plus pauvres c'est un facteur d'ordre, ça évitera les désordres, etc. Hein Donc on est dans cette période de transformation euh, qui à la très visible dans le paysage et qui se fait progressivement. Hein, vous parliez de proto-industrialisation, en tout cas, cette industrialisation euh, minière, euh, elle, est, euh, elle est encore, euh, elle est très forte, mais elle est en même temps en devenir dans une perspective euh, d'industrialisation, de mécanisation beaucoup plus forte dont on voit les, 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 premiers, euh, les premiers mouvements ici. Avec aussi l'idée hein, très intéressante de vous avez commencé à l'évoquer peut-être essayer de, dév de développer un peu plus cette idée autour des, des, des vraiment des, des premiers en tout cas mineurs ou des gens qui travaillaient on voit bien le lien vous l'avez dit avec le monde rural mais on voit bien surtout que en fait les premiers qui travaillent dans les mines ce sont les plus pauvres et là quelque part euh, il y a peut-être les prémices en tout cas euh, du, du prolétariat ouvrier qui va se développer à beaucoup plus grande échelle en Angleterre déjà en cette fin de 19e siècle, XVIIIe siècle, pardon, et surtout au XIXe suivant. Ah oui, tout à fait. et ça on le voit, par exemple, à, à, avec un épisode très particulier. quand euh, euh, le navire euh, de euh, la famille euh, warlegan, hein, de ceux qui sont vraiment euh, ceux qui mettent en coupe réglée euh, le comté, euh, fait naufrage, eh bien, euh, parce que euh, la situation est très difficile à, à, à ce moment-là, paul d'arc euh, invite euh, la population, puisque c'est sur, euh, sur ces terres, hein, la, pla la plage appartient à son domaine de faire à faire valoir euh, un vieux droit hein, qu'on appellerait en france euh, le droit de, de, de brie c'est à dire à récupérer euh, ce qui arrive sur, sur la plage euh, il appelle la population euh, euh, à venir hein, en, en disant ben, vous allez pouvoir manger pendant un mois et ensuite arrivent les mineurs hein, euh, de, donc euh, d'un village voisin et non seulement des bagarres éclatent mais euh, les mineurs font peur parce que euh, à la fois ils commencent à faire à former une communauté assez forte violente et qui vient, euh, euh, dès quelque part, désorganiser les solidarités villageoises traditionnelles, et qui surtout euh, vivent une, une pression à la fois physique, le risque de la mine avec des galeries très profondes hein, en, en, en Cornouailles, et euh, qui sont du coup euh, vraiment annonciateurs à la fois euh, du prolétariat euh, du 19e siècle, mais aussi de ce qu'avait montré euh, le grand historien euh, britannique, Edward P. Thompson, hein, qui est une des figures de l'historiographie euh, marxiste euh, de l'Angleterre, aussi bien avec la formation de la classe ouvrière anglaise, hein, euh, son grand ouvrage, qu'avec un, un ouvrage qui est un peu moins connu en France, mais les deux ont été traduits euh, dans la décennie dernière, La guerre des forêts sur la lutte sociale dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. On a là, à travers cet épisode et d'autres aussi, d'émotions populaires, des fortes tensions économiques et sociales. Euh, le risque permanent de perdre son emploi, de ne pas avoir de quoi euh, euh, donner à manger à ses enfants, euh, qui est très euh, qui est très prégnant. Vous l'avez dit, Pierre-Yves, période difficile hein, dans l'histoire de l'Europe de, de façon générale, en, en termes notamment de mortalité. Et, et ça, la série le montre très bien, presque sans phare, j'allais le dire. Euh, on voit euh, véritablement des gens soumis, vous l'avez dit, euh, à la fois à, à des difficultés de césure chaque année, selon l'état euh, des récoltes. Vous l'avez dit, souvent avoir besoin comme ça d'expédients de, hein, pour arriver à faire euh, la soudure en, entre les, les deux années. Et, et aussi l'idée. D'une population très soumise aux aléas, euh, on est en pleine actualité malheureusement aujourd'hui, mais aux aléas à l'époque des maladies. Et ça, on le voit très bien aussi à travers le personnage, vous l'avez évoqué, de Dwight, hein, l'ami de Ross, qui euh, par là même semble être un petit peu, une, faire en tout cas une, une synthèse euh, de, des avancées scientifiques de l'époque des Lumières, finalement, où il, euh, on voit bien qu'il essaie de faire progresser la médecine à sa petite échelle. Oui, ça, euh, je trouve que c'est assez bien vu dans la, dans, dans la revue, parce que dans la, euh, la façon de présenter euh, euh, une sorte de revue de, d'effectifs, de revue d'État de des différentes tendances médicales de cette époque-là, on a le médecin euh, traditionnel qui est totalement à côté de la plaque, qui explique que tout le monde euh, va être euh, guéri, par exemple, euh, à Trenwith, alors qu'en réalité, euh, les, tous les domestiques... Euh, chez Elisabeth, tous les domestiques euh, euh, sont malades et que euh, le couple euh, qu'elle forme à ce moment-là avec le cousin euh, de Ross, euh, Francis et, et Oli, est dans une très mauvaise situation. Et c'est lui. Euh, en, en fait, euh, Dwight, qui représente au contraire euh, l'avenir euh, de la médecine, une attention forte euh, aux plus pauvres, euh, caractéristique de ce qu'on aurait en France à cette époque-là avec ce qu'on appelle les médecins des épidémies euh, et avec des médecins euh, euh, qui s'installent dans, dans le monde rural et qui sont tout à fait euh, sensibles euh, à la fois euh, à, à, à l'hygiène, euh, aux problèmes de l'alcool, des violences aussi liées à l'alcool. On voit très bien euh, dans le euh, euh, dans la série euh, euh, ou aussi à cause d'une forme de brutalisation de la société qui fait que euh, finalement euh, 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 des, des coups échangés euh, se transforment en... en en, en mort et en homicide euh, donc on a, on, on a une figure à la fois attachante ici du, du médecin mais qui est très euh, révélatrice des difficultés euh, de l'époque, euh, aussi liées à l'obstétrique, euh, même si le 18 e siècle fait beaucoup de progrès dans ce domaine là, euh, les difficultés euh, d'accoucher, on le voit très bien et puis euh, comme vous le disiez un instant euh, ces euh, vagues épidémiques, alors ici qu'on appelle gorge putride dans la, dans la série c'est la diphtérie euh, et les nombreuses fièvres ép épidémiques que connaît euh, euh, la, la, la période. Euh, effectivement, c'est euh, une des caractéristiques euh, de ce temps où vous continuez euh, à aller travailler, euh, donc vous contaminez. Euh, les mineurs ou, euh, les, euh, euh, ou, ou les paysans à côté desquels vous euh, travaillez. Vos enfants vous contaminent et vous contaminez vos enfants parce qu'on voit très bien, il y, a, il y a un travail à la fois esthétique, mais, mais très bien euh, léché de représentation des intérieurs, euh, notamment euh, euh, ruraux. Euh, et là, on voit euh, la, 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 la promiscuité, pardon les enfants dormir entre les parents, euh, les enfants dormir tête-bêche, etc., et se contaminer les uns des autres. Donc oui, ça c'est tout à fait une réalité, euh, y compris dans le, le fait que ben, ces épidémies parfois ignorent euh, les barrières sociales et que tout le monde euh, euh, du coup peut être touché, y compris quand on appartient euh, à la gentry rurale avec une, aussi quelque chose qui, qui aujourd'hui est oublié, peut-être oublié en France depuis les progrès de la médecine, notamment avec Pasteur, mais euh, on a quand même une, une forte prégnance, en tout cas, de la mortalité infantile, qui, qui rappelle hein, des taux très élevés à l'époque où une grande partie des nouveau-nés avaient peu de chances, finalement, ou en tout cas de faibles chances d'arriver à l'âge adulte. Oui, tout à fait. Alors, c'est même euh, un peu en deçà de, 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 de la réalité dans, dans la série, parce que si on pense au couple formé par Ross et Demelza, finalement, ils ont cinq enfants. Euh, euh, quatre survivent, euh, alors que euh, à cette époque-là, euh, on, on connaît euh, la fameuse phrase de, euh, de de Pierre Goubert il faut deux enfants pour faire un adulte. Euh, et même si la population euh, anglaise connaît un, une forte croissance euh, au XVIIIe siècle, ça, c'est une réalité. n'empêche que cette mortalité euh, effectivement euh, frappe beaucoup, de la même façon que dans le couple euh, formé par le, le, le cousin français. Euh, euh, et Elisabeth, et eh bien sans l'intervention euh, de Demelza, justement dans cette, euh, ça, ça fait un peu partie de l'intrigue à la fois romantique et sentimentale du euh, de la série, hein, euh, au moment où euh, euh, l'épidémie, et eh bien euh, s'empare de leur manoir, euh, bien évidemment euh, leur fils Geoffrey Charles n'aurait pas euh, n'aurait pas survécu, et la, et la conséquence ensuite. Euh, euh, de ça, c'est qu'elle-même euh, euh, aussi, hein, euh, Elisabeth par, par la suite euh, euh, mourra en venant euh, en venant, euh, en venant aider ceux qui souffrent. C'est-à-dire que on voit bien que les Héros, soit directement, soit indirectement, sont meurtris dans leur chair par euh, tout simplement euh, euh, ce fléau des épidémies euh, euh, de cette époque-là, euh, euh, auxquelles on pourrait même ajouter les, les épisodies hein, qui déciment euh, les troupeaux euh, et euh, le passage des, donc, euh, de certaines épidémies de, euh, des animaux aux hommes, qui sont vraiment caractéristiques de, de cette, de cette période-là. Sinon, on n'aurait pas de Génère, on n'aurait pas euh, euh, la variolisation. On est vraiment dans, dans une période euh, de, no, de fortes épidémies euh, qui viennent complètement euh, désorganiser euh, à la fois la société rurale et aussi les cadres de production. Vous évoquiez à l'instant aussi, bien sûr, hein, on est sur une série euh, de fiction historique. Donc, il faut pour euh, que plaire aux gens qu'il y ait un, un fond, j'allais dire, sentimental avec des intrigues euh, plutôt romanesques d'ailleurs. Mais euh, on le voit, hein, les histoires d'amour notamment et, et de tension de, de Ross. Euh, mais euh, que, moi, je voulais savoir, Pierre-Yves, ce qui est votre point de vue parce que on voit quand même à travers cela. Euh, les stratégies matrimoniales en tout cas de cette gentry anglaise rurale et on voit bien à travers ça euh, cette idée de, de, de à la fois de maintenir un rang et aussi peut-être de euh, s'aliéner en tout cas euh, les nouvelles les catégories nouvelles plutôt d'ailleurs bourgeoises oui, tout à fait. Alors là, je trouve que c'est peut-être euh, euh, là où la série, euh, euh, bon, forcément, euh, cède le plus à la tentation euh, fiction qu'on a, puisque au départ, c'est un, un roman, hein, euh, par rapport euh, à euh, la réalité des choses. Parce que quand on voit le, le jeune euh, lieutenant Armitage, donc le. le le, 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 le neveu euh, de Lord Falmouth euh, tombé euh, euh, amoureux euh, de d'Emelza. Euh, alors là, il y a toute l'intrigue parce que Ross l'a sauvé, etc. Et. Euh, est-ce qu'elle va se donner à lui, pas à lui, etc. Euh, bon, c'est fort peu, c'est fort peu crédible compte tenu à la fois de ses origines très modestes à elle et euh, euh, de lui, même si bien évidemment la thématique du mariage d'inclination ou de la ou de la passion amoureuse est, est très forte au XVIIIe siècle. Hein. Euh, mais euh, je pense que ça, c'est pas euh, c'est sans doute exagéré on, on, voit, on verrait mieux les choses à quelques années de, de distance c'est génocide voilà. Et euh, euh, chez Paul Darc, on est vraiment à la frange. Hein, euh, on est à la frange de la toute petite gentry rurale avec le risque du déclassement. Alors qu'on voit chez leurs rivaux euh, Warlegan hein, comme vous le disiez, Georges qui va devenir sœur ensuite. On voit l'ascension là et les crispations. Elle vient aussi d'une fragilité chez certains, qu'un risque de déclassement et puis la montée en puissance de ces groupes nouveaux, euh, notamment autour. Euh, de la dimension du négoce, de la finance, etc., mais qui ont bien une intention de s'insérer aussi dans les cadres euh, sociaux et politiques de l'époque. Donc ça passera bien évidemment par une élection à la Chambre des communes, mais ça passe aussi par un mariage. Et on voit que finalement, un des personnages aussi centraux, c'est Elisabeth, parce qu'Elisabeth, ça a été le premier amour euh, de Ross Paul Poldark. Elle épouse euh, son cousin euh, pendant euh, la guerre d'indépendance américaine. Elle épouse euh, Francis. Et puis finalement, euh, elle va. Euh, euh, épouser euh, euh, George Warlegan avoir euh, euh, donc un enfant euh, du premier lié et, et, du, et du deuxième, le premier à qui elle veut donner une éducation qui est vraiment une éducation euh, euh, de public school euh, euh, anglaise. Euh, pour le faire entrer dans ce monde euh, euh, de la, de la gentouille c'est vraiment son euh, objectif euh, tandis que pour le deuxième on voit plus le, la dimension la sentimentale et, et, et amoureuse euh, georges étant euh, persuadé que euh, le deuxième enfant n'est pas de lui. Alors on a cette dimension-là et ça passe effectivement par euh, des mariages. Ça passe aussi par des mariages euh, donc qui peuvent être perçus comme euh, plutôt des unions amoureuses. C'est le cas de, 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 de Ross et de Melza euh, qui au départ euh, euh, s'a protéger, celle qu'il sauve et puis ensuite euh, euh, donc son épouse. Et on voit aussi comment elle se transforme en une forme d'acculturation à travers sa façon son montée à cheval, ses vêtements, etc., sans jamais oublier d'où elle vient. Et euh, lorsque, euh, euh, tant, lorsque temporairement, elle pourrait l'oublier, on lui renvoie euh, euh, ses origines, y compris en termes très crus. Et de la même façon, il y a quelque chose d'assez bien vu dans euh, la dernière euh, saison, euh, lorsque... Euh, lorsqu'il rencontre euh, son ancien euh, euh, supérieur, le, le colonel ned, qui a toutes sortes de, de problèmes et en prison, etc., et qui a épousé euh, donc, euh, une femme de couleur, une libre de couleur, et, et, et lorsqu'elles se promènent, l'une et l'autre, des euh, et euh, la femme, donc euh, de ned, et eh bien, des gens la, la saluent euh, et... Euh, euh, Demelza dit vous voyez euh, tout le monde n'est pas hostile euh, au euh, aux noirs on est en plein débat sur l'abolition de la traite puisque de l'esclavage hein. euh, 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 et elle dit mais non en fait les gens vous saluent parce qu'ils me prennent pour votre domestique voilà donc euh, à travers les relations si bien matrimoniales qu'amicales et aussi aux au tragédies familiales internes ou aux pôles d'arc, ou entre les pôles d'arc et les warlégans, on a toute cette dimension tout à fait, au-delà des sentiments et de l'aspect dramatique, de ce que peut être le déclassement, l'ambition sociale, euh, et puis aussi euh, euh, le fait que euh, tout cela obéit à des calculs, à des stratégies euh, euh, très élaborées. Vous venez d'évoquer la figure de l'ami de Ross Paul Dark, hein, le, le colonel Ned. C'est très intéressant parce que c'est le moment pour Paul Dark de se confronter à la justice. Alors, il s'y est déjà confronté dans les saisons précédentes parce que c'est quelqu'un d'assez têtu et qui aime bien casser les codes de la société, de la gentry, de la société rurale de la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Mais, Pierre Yves, c'est vrai que dans cette série, c'est l'occasion de présenter la, le fonctionnement de la justice. En Angleterre à cette époque-là, avec déjà un fonctionnement de qui, qui peut nous paraître relativement contemporain. Oui, tout à fait. Alors, euh, ce qui est très intéressant, je fais le lien avec euh, avec ce que vous disiez à l'instant à propos de euh, de, de Ned, hein, donc présenté comme Ned Despard, mais euh, euh, il, il fait référence à un personnage qui a tout à fait existé, Édouard Edward Despard. Hein, qui a même été euh, donc euh, non seulement euh, euh, officier, euh, mais qui a été euh, euh, aussi euh, en, euh, en charge de la, la côte euh, des mosquitos, hein, c'est-à-dire sur le Honduras actuel, et où s'est posée euh, toute une série, la question de l'attribution de terres. Euh, à, euh, à des esclaves. Euh, et ensuite, bien évidemment, il entre en conflit euh, avec le représentant d'une compagnie de commerce, de la compagnie d'acajou. Hein, ça fait une, une partie de la trame euh, de la dernière saison. Et puis, euh, il est euh, en prison. Euh, il est en prison sans connaître véritablement ses droits et ce qui lui est euh, reproché. On voit les tentatives d'intervention euh, qui sont faites. Euh, fait au... Qui sont faites auprès euh, aussi bien du roi, hein, le roi disant je n'interviendrai pas, euh, que de magistrats. Et euh, euh, même si la figure n'est pas très développée, la figure d'Espard est très intéressante parce que euh, euh, c'est quelqu'un qui a des juridictions irlandaises il fait partie euh, de ce qu'on appelle euh, euh, les United Irish, les United Britons, c'est-à-dire ceux qui, qui veulent transformer radicalement les choses en étant un, un, influencés euh, tout simplement par la révolution. Euh, la Révolution française et ça se termine très mal hein, puisque tout simplement euh, il sera condamné pour trahison euh, euh, et exécuté donc il y a à la fois euh, la dimension la romanesque et puis de la série et il y a en même temps euh, une des, des références historiques et comme vous le disiez ça commence très tôt parce que finalement s'il part euh, pour la, euh, pour la guerre d'indépendance c'est certes pour servir euh, son roi et, et son drapeau, hein, il le dit à plusieurs à plusieurs reprises mais euh, c'est aussi pour fuir euh, euh, déjà euh, la justice. il aide un, euh, euh, il, il aide euh, un ami euh, qui euh, est, est recherché, pour homicide involontaire, à fuir de Cornouailles à, à, à la France, hein, en, en Bretagne, en prenant un, euh, son navire. Donc on a quelqu'un qui, effectivement, qui est toujours... Euh, euh, donc, euh, à la limite des choses, euh, là, qu'il est aussi, lorsqu'il y a ces mouvements contre la hausse des prix euh, des grains, euh, il commande un groupe de volontaires, mais on ne sait pas s'il va tirer sur les émeutiers ou, ou, ou pas. Euh, voilà, on a quelqu'un qui, euh, finalement, qui explore tous les aspects euh, de la justice britannique du temps, le côté qui peut être le plus sommaire, hein, vous corrompez un officier local et il vient vous arrêter, c'est ce qui lui arrive après le, euh, après le naufrage, euh, mais euh, aussi passage devant le juge de paix, euh, donc euh, les élites locales, euh, qui vous dit tout simplement que si c'était lui, il vous pendrait euh, tout de suite, mais qu'il euh, vous renvoie aux assises. Voilà, aux, ans, aux assises de bonne mine. Donc, en fait, euh, on, on voit tous ces... Euh, C'est une fiction, hein, bien sûr, mais tous ces éléments qui viennent s'enchasser, euh, justice qu'on ne peut pas encore appeler de classe, mais qui s'en approche de plus en plus, avec euh, une justice où, bien évidemment, euh, euh, ceux qui sont euh, influents euh, peuvent faire oublier un certain nombre... Euh, euh, d'action, euh, par exemple le, le jeune euh, Forgeron qui est le, un des frères de Demelza dont on commence par menacer euh, euh, le commerce et puis ensuite on met le feu, il est tabassé et bien évidemment euh, dans ce cas-là euh, il n'arrivera pas grand-chose euh, à Warlegan, d'autant qu'il est euh, député aux communes, donc lui il doit explorer tout ça jusqu'à se dire finalement que s'il accepte la proposition de lui aussi se présenter euh, euh, aux élections c'est peut-être euh, par l'aspect politique qu'il pourra euh, peser davantage que par exemple la justice euh, sur euh, en, en faveur des plus pauvres par le vote de loi etc. C'est vrai que ça fait partie, Pierre-Yves, des, des points forts de la série. Hein, cette idée aussi de montrer le fonctionnement politique de cette Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, qui connaît déjà hein, depuis plus d'un siècle une monarchie à la fois constitutionnelle et parlementaire, avec un bicaméralisme autour de la Chambre des Lords qu'on voit peu, mais surtout, vous l'avez dit, de la Chambre des Communes. Peut-être pourriez-vous nous réexpliquer ce, ce fonctionnement-là que l'on voit bien dans la série à travers Ross qui se présente aux élections oui, alors ça, c'est pas mal vu aussi parce que, effectivement, quand on, on, on pense à, aux élections anglaises du XVIIIe siècle, on pense à toutes les caricatures hein, dont l'Angleterre est effrayante et qu'elle a euh, produites à propos des bourgs pourris hein, où on vient acheter son élection, hein, de la même façon qu'on voit aussi euh, un type qui est assez ignoble, le, 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 euh, le, le pasteur, hein, qui vient augmenter euh, la taille de, de sa paroisse et de, de, de ses de ses revenus de la même façon donc on voit vraiment le fonctionnement de la corruption de l'achat de l'élection mais ce qu'on voit bien dans la série c'est aussi que les candidats sont poussés par un groupe d'influence contre un autre euh, dans euh, tout simplement à, à à cause des débats euh, euh, très euh, très vigoureux très virulents des communes hein, qui ont vraiment frappé les, les observateurs de l'époque y compris les français qui connaissent pas ça du tout hein. déjà au début du siècle Montessu, quand il voit la virulence des débats euh, au champ des communes il est assez frappé par cela mais là on le voit très bien on voit par exemple que euh, Contrairement à ce qu'il qu pense, lui, euh, George était euh, euh, le deuxième candidat euh, d'un euh, groupe de pression. De la même façon, euh, Lord Falmouth, qui lui est donc, euh, siège bien sûr à la Chambre des, des Lords, il entend euh, contrôler ce qui se passe dans le comté pour le... Pour pour l'élection, euh, tout simplement euh, aux communes. Et que fait-il Eh bien, on, on essaye d'influencer euh, euh, ceux euh, qui vont désigner euh, tout simplement le, le, le candidat, hein, parce que le, le suffrage euh, est très, le censitaire est très restreint, euh, tout simplement en leur rappelant, y compris le, le, le jour où ils viennent. Euh, inscrire euh, 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 leur vote hein, euh, sur leur, leur signature leur vote sur le, sur le registre en lui disant ce prêt là euh, 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 en fonction de votre choix et euh, eh bien ce, ce prêt là je vais vous demander de le rembourser immédiatement mais il le fait de manière tellement euh, maladroite que ça se retourne contre lui et que finalement euh, et c'est ce qui va se passer euh, avec ross effectivement qui au départ ne veut pas en entendre parler euh, se dit qu'il sera qu'une marionnette et puis finalement se dit que revient sur sa euh, position et se dit que non seulement il pourra euh, euh, combattre quelqu'un comme Warleggan, mais il pourra ensuite euh, faire voter un certain nombre de, de, de textes, de lois, d'intervenir. On le voit distribuer euh, un certain nombre euh, de pamphlets hein, et de textes en faveur. Euh, euh, bon, ici c'est la euh, l'abolition de la traite, mais ça pourrait être euh, la question sur le, les lois sur les pauvres, les grains, etc. Euh, D'influencer euh, cela et ça suppose d'accepter ce jeu de ce jeu électoral qui n'est pas du tout un jeu démocratique il faut bien il faut bien insister là-dessus mais qui permet aussi à certains députés c'est toute la caractéristique de, de cette époque-là hein, une fois aux communes d'avoir des positions très radicales on pense toujours à Fox mais il est loin d'être d'être le seul pour défendre un certain nombre de propositions qui sont euh, comme on dit à cette époque-là, radical, hein, aussi bien dans le domaine social et politique. donc il y a vraiment. Euh tout cet aspect-là est, est, est bien montré, de la même façon qu'on voit à un moment donné ceux qui avaient poussé Georges aux communes dire mais finalement, toutes les lois qu'on qu a proposées, que vous deviez soutenir, ben vous avez refusé, de les, vous avez refusé de, les, de les voter. Et il dit moi, j'ai voté en ma conscience, et bien évidemment, il est hors de question que ceux qui poussent un candidat se contentent de cela. C'est pour ça qu'ensuite, ça, c'est l'intrigue. Hein, on va pousser de plus en plus Ross à aller aux communes, y compris, alors ça c'est le côté un peu anecdotique, même si l'histoire est vraie de ce, de, de, de ce point de vue-là, Georges III. Au théâtre a été euh, euh, donc a fait l'objet d'une tentative d'assassinat et bien évidemment le héros est là pour détourner euh, le pistolet euh, du meurtrier tout en essayant ensuite hein, de faire comprendre que le meurtrier euh, en question n'avait pas toute sa tête et donc il doit échapper à la potence. Euh, on est vraiment dans une période de politique aussi très très crispée cela euh, et euh, ça se reflète sur ces jeux électoraux euh, à la fois complexes est particulièrement virulent pierre Beaurepaire, en introduction, on évoquait le contexte géopolitique de, de la série, cette fin du XVIIIe siècle où le Royaume-Uni, première puissance mondiale à l'époque, vient de perdre ses colonies américaines parce qu'il y a eu notamment l'aide de la France. Et on va voir que tout au long des différentes saisons de la série, l'image des Français est perçue, alors je ne sais pas si on peut dire négative, mais en tout cas comme une image inamicale, hein, ennemie, à travers que ce soit la contrebande qu'on peut faire, bien sûr, avec eux dans cette zone, j'allais dire, de frontière maritime qu'est la Cornouaille, mais aussi, on va le voir à travers la période révolutionnaire et surtout napoléonienne, où finalement on voit bien Rose d'ailleurs entraîner une milice qui se prépare au débarquement en Angleterre des troupes françaises. Alors, euh, je pense qu'effectivement, il y a d'abord un classique euh, des, séries en, des séries anglaises, ou même euh, de manière générale, des, des, des fictions euh, anglaises à caractère historique. Souvent, hein, euh, 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 les Français sont les meilleurs ennemis. Hein, euh, si on pense à certains remakes euh, récents de Robin des Bois, on a même des versions tout à fait euh, mais caricaturales de ce point de vue-là. Là, Là euh, euh, c'est moins, euh, moins vrai, mais il y a effectivement toujours cette menace française parce qu'il y a une proximité de la France avec Cornouailles. Hein, on pense bien évidemment aux smugglers dont je parlais tout à l'heure, à ces contrebandiers. On pense aussi, pendant la Révolution, aux tentatives de débarquement de, de descente française. Alors, de la même façon qu'en Bretagne, on craint les, les, les descentes anglaises. Alors là, pour les moyens de la, de la série, ça, laisse, ça reste relativement restreint. On voit parfois trois navires français qui arrivent et donc Ross prendre... Le détache, euh, la tête d'un détachement de volontaires, ça fait référence aussi à la ministre du Comté, etc. Euh, lui, l'ancien combattant, l'ancien capitaine, qui appelle aussi bien le médecin, les notables locaux, qu'un certain nombre de ces euh, Mineurs, paysans contre maîtres qui euh, viennent de ça. Donc effectivement, il y a l'atmosphère derrière de la menace française qui se, qui se concrétise quand même beaucoup plus du côté irlandais, hein, euh, 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 donc euh, euh, avec le débarquement français, les tentatives de débarquement français, que du côté en anglais. Mais il n'empêche, euh, c'est présent. Et il y a une forme aussi intérieure euh, quand il dit. Ça va un peu loin là quand il dit euh, etc. J'ai combattu euh, contre les Français euh, en Amérique. J'ai vu la Révolution. J'y reviens dans un instant. Mais qui dit je suis sensible à liberté, égalité, fraternité. Bon, euh, ça c'est un, 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 un petit peu anachronique. Il n'empêche que dans l'Angleterre de cette époque-là, et là on, on, on voyait le côté extrême avec Despard, mais avec Ned, mais euh, sans aller jusque-là, il euh, y a une très forte sensibilité aux questions à la fois sociales et politiques qui ont été manifestées aussi bien euh, par les insurgents américains euh, que par la Révolution française. Hein. Et on est dans un contexte où on a, une on a un vote de loi extrêmement répressive euh, par le cabinet euh, Pitt sur ces sociétés radicales, les United Irish, United Britons, etc., euh, sur les sociétés de lecture. Wedding uh, societies libérales, parce qu'en fait, on lit euh, des textes politiques, etc., et on se radicalise, euh, qui amène aussi à l'exclusion d'un certain nombre de députés des, des communes pour leur position radicale, qu'on va caricaturer en sans-culottes. Hein. Euh, euh, donc, il y, y a une tentation, alors qu'on a dit parfois jacobine, en fait, c'est une, une tentation radicale, qu'on patri dit patriote à cette époque-là, qui est très. Euh, euh, marqué, mais qui surtout fait peser une forme de mentalité obsidionale, hein, de peur de, de, de l'attaque extérieure euh, conjuguée à l'attaque intérieure, qui est très, très manifeste euh, dans la série et où euh, Ross, finalement, euh, et a du mal à, à choisir parce qu'il va être à la fois fidèle à, à la couronne et à son roi, et en même temps, il est sensible à la dimension, euh, euh, il ne peut pas être un, un, un conspirateur, mais il est sensible à la dimension euh, sociale, politique, aux injustices. Et donc, il euh, y, y a une forme d'équilibre euh, par rapport à ça, et donc il faut se définir par rapport à la France, et comme il a été amené à deux reprises, y compris pendant la Révolution, donc, à combattre à nouveau contre les Français, il a vu l'aspiration à un changement, à ce qu'on appelle à la époque en France, la régénération nationale, tout simplement. Mais il a vu aussi, euh, c'est vu du côté britannique bien évidemment, le sang qu'une révolution euh, peut verser. Hein. Et quand il a un certain nombre de flashs, disais tout à l'heure qu'il avait des flashs de la guerre d'indépendance, il a aussi des flashs où euh, il voit la guillotine euh, tomber, la révolution dévorer ses enfants, euh, etc. Et il met en garde contre euh, ce qui peut arriver et sur le fait que ça se terminera forcément mal pour les plus. Pauvres lorsqu'ils viendront piller euh, le grenier à grains des orléganes et autres. Donc euh, ça c'est tout à fait euh, caractéristique de cette époque-là et il faut penser quand même qu'en Angleterre quelques années ensuite on a tout le mouvement euh, euh, dont euh, qu'on dit inspiré de, de Ned Ludd hein, le, le, le mouvement euh, euh, luddiste contre les euh, euh, pour briser les machines qui vous prennent euh, euh, vos emplois euh, qui montrent que quelqu'un qui est actif très euh, sur le plan euh, industriel très proche de la région comme Wedgwood et quelqu'un euh, sort josia Wedgwood et quelqu'un euh, qui a des conditions qui, qui impose des conditions de, de, de travail très dur euh, à ses ouvriers voilà on, on a vraiment un, une sorte de malstrom à la fois économique social financier, politique, euh, complexe, euh, qu'on ignore, euh, nous, souvent, parce qu'on voit l'affrontement de manière assez, euh, euh, assez frontale entre la France et la Grande-Bretagne. Il y a toute une Grande-Bretagne très sensible aux idéaux euh, révolutionnaires français. Et eh bien là, on en a un écho assez régulier euh, dans la euh, série, aussi bien à travers la menace française que finalement au fait que la société anglaise de cette époque-là est dure, injuste. Effectivement, il y a une. Il y a euh, une expansion rapide, comme vous venez de le rappeler, de la puissance française, de la puissance anglaise, pardon. Mais en même temps, on voit des conditions de vie euh, extrêmement euh, euh, difficiles pour une très grande majorité de la, de la population, et ceux qui la dirigent disent qu'il est hors de question qu'ils prennent en compte, euh, tout simplement, euh, euh, leur avis dans leurs décisions. Donc ça, je crois que ça crée une, une, une des toiles de fond euh, de la série. Pierre Yves, on en arrive à la fin de cette émission. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être en conclusion sur cette série britannique Paul Dark? Alors, moi je dirais que euh, on peut la, 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 la suivre à euh... Euh, à plusieurs niveaux. D'abord, euh, comme on le ferait hein, pour les, euh, les romans de, de Jane Austen euh, dont je parlais, sauf que Jane Austen est une contemporaine euh, euh, et Winston euh, Graham est vraiment un romancier du XXe siècle. On peut le, on peut voir l'intrigue amoureuse, on peut voir aussi euh, 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 l'intrigue sociale, on peut suivre euh, une, une sorte de euh, de, de fiction. Euh, euh, mais très proche de la description esthétique du, euh, du paysage. Et d'ailleurs, euh, Graham et, et Simon, Simon McBride ont publié en 1983 un Paul Dark's Cornwall hein, qui laisse une grande place justement à cette dimension esthétique et, et... Image, donc avant même la, euh, la série actuelle et après euh, euh, la série des années 70. Donc il y a cette dimension-là, à la fois euh, euh, fiction, esthétique, sentimentale, et puis d'un point de vue, euh, point de vue euh, historique, voir vraiment euh, l'ère qu'on appelle des transitions révolutionnaires. Hein, euh, souvent c'est les années 1770-1830. Là on est vraiment dans la partie centrale de cette période-là. On voit euh, que tout ne commence pas en 1770. 89, on voit euh, l'impact de la guerre d'indépendance américaine, on voit les transformations euh, euh, sociales euh, très brutales pour la euh, population, le risque permanent, euh, comme je disais tout à l'heure, du déclassement, la, la volonté de puissance. Euh, euh, des nouveaux notables hein, à, à travers les grands méchants euh, euh, du, euh, de la série, hein, parce qu'il en faut, euh, donc Warlegan, euh, oncle et neveu. Euh, et euh, je pense que de ce point de vue-là, euh, euh, c'est assez réussi. Moi, euh, si je donnais un jugement euh, personnel un, un tout petit peu plus critique, je trouve parfois que euh, la dimension statique y compris dans la recherche esthétique, l'emporte un peu sur, sur le, le mouvement euh, que euh, euh, à vouloir avoir de, 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 de belles personnes euh, comme Ross et surtout comme euh, Demelza. Parfois euh, la série manque un peu de rythme, c'est peut-être un peu long euh, euh, cinq saisons voilà hein, euh, surtout pour que, que la période est relativement euh, restreinte comme vous l'avez dit mais je pense que c'est une je pense que sinon c'est une euh, série tout à fait un, un, intéressante pour prendre le pouls de la société anglaise à ce moment-là, et aussi pour euh, euh, prendre conscience de euh, d'une euh, face euh, dure éprouvante de ce XVIIIe siècle qu'on réduit souvent au siècle des Lumières. Justement, là, on, on voit avec ces lumières euh, finissantes, et eh bien euh, toutes les épreuves hein, que la que la période peut déjà connaître et qui sont bien évidemment euh, pour pour les, pour les plus pauvres, annonciatrice de toutes les luttes et difficultés du 19e siècle. Merci beaucoup Pierre-Yves Boropère pour l'analyse de la série donc britannique Paul Dark disponible sur Netflix. Alors vous avez fourni une petite bibliographie indicative qui permettra à celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur cette Angleterre de la fin du 18 siècle d'aller se renseigner notamment hein, sur la question sociale qui fait partie d'une des, des trames narratives de la série. Alors vous pouvez retrouver aussi le résumé de l'émission ainsi que la bibliographie sur notre site internet histoiresenserie.com à la page de l'émission. Et puis, vous nous retrouvez euh, sur Twitter et sur Facebook pour suivre notre actualité et aller sur nonfiction.fr si vous voulez avoir le résumé de toutes les émissions, ainsi que les liens pour aller les écouter vers toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup Pierre-Yves et puis à bientôt pour une autre série sur le 18e ou sur l'époque moderne. A bientôt Nicolas, merci à vous. Suivez-nous sur Twitter, histoire en série, pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. to Such a beautiful planet, but the by a strange animal. In this sadness, can you watch your you want in a wind? No. Way.